Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve, on va faire une petite trace du coach VTT Topo qui m'a donné la première du programme de 4 semaines. Et bon, on se la fait façon nordiste, il pleut. Allez, à tout de suite en vidéo. Bon allez, on est parti. Premier tour de roue sur la trace que nous a filé coach Cédric de VTT Topo. On est que deux aujourd'hui avec Renaud et on a hâte de découvrir ce parcours qui a l'air super sympathique. Malheureusement le temps n'est pas là, on verra pas les beaux paysages mais on va se régaler quand même et on va essayer de vous faire partager au mieux tout ça. Voilà, 3 petits kilomètres, presque 200 mètres de dénivelé au compteur. Et on a déjà le premier point de vue. Là, je vous immortalise un petit peu le moment. Là. Je pense que depuis que vous regardez la chaîne, vous n'avez jamais vu un petit peu de boue sur mes pneus. Ça y est, c'est fait, hein, mais un tout petit peu. On y va avec parcimonie. Bon, ben, on s'en croyait fini de l'ascension, mais non. Coach Cédric, il nous a gâté d'une petite montée magnifique. Bon, mais ça doit se monter sur le vélo, mais là, avec les pierres mouillées, malheureusement, on met le pied à terre. Petite vue sur les barres de Cuers, regardez comme c'est beau. Allez, c'est parti pour la descente. Là, on ne va pas encoster que du bon. Alors, ça glisse un peu. Les freins, ils ramassent. Il y a des racines. Faire gaffe. Ça me fait savonner. Ouf. Ouf. C'est meilleur quand c'est sec. Hein. Il va manquer un petit peu de vitesse sur la vidéo, vous allez encore me dire. Hein. Vous encore vous moquer de moi, mais je vous promets, c'est de la savonnette. Une bonne technique, du bien bon. Bon, comme vous pouvez le voir, Renaud pourtant il descend. Il vient du monde de la moto, je peux vous dire qu'il descend bien. Et il tombe bien aussi, regardez. Quand je vous dis que ça glisse, vous pouvez me faire confiance. Descente à privilégier, partant sec. Mais là, on a fait comme on pouvait. Parce que coach Cédric, il n'a pas l'air commode sur ses vidéos. Il a dit un parcours par semaine. Malheureusement, c'est le seul jour où je pouvais. Et il pleut. Ça passe. Ça va, même si t'as les suspensions bien réglées, à la fin, t'as mal aux mains. Bon, bah, cette première descente, Renaud. Ouais, sympa. Hein. Un peu dans la caillasse, un peu glissante, mais bon, bien agréable. Ouais, il nous a mis que du bon là, en premier. Allez, après ce bonheur en descente, on est reparti pour une bonne longue ascension. Elle va débuter un petit peu sur du goudron. Et après, on va reprendre un petit single dans les bois.
Voilà, on n'a pas encore fini la partie goudronnée. On est à pratiquement 400 mètres de D+ pour 9 km. Il nous reste encore la plus grosse partie à venir sur la partie goudronnée. Et puis après, ça monte encore en single. On n'a pas fini. Bon, là, on est sur un petit morceau de côte à 34%, 34-35%. Si le GPS, il est juste. Allez, autre petit point de vue, c'est cadeau. Allez, on est reparti sur un petit single. Après cette route, finalement, ça remonte pas. Apparemment, ça a plutôt un profil descendant. On va pas jusqu'en haut. Alors, il faut faire gaffe, il y a plein de racines. Super joli. Ouh, descendu la selle. Oh, fais gaffe, ça glisse là. La roue avant qui est partie sur une racine. Mais j'ai gardé bon niveau. Je sais pas si on va y voir grand chose ou si la caméra elle va se noyer là. Ah, ça va. Ouf. Tout droit ça passe. Ouais, joli rond. Ah ouais, mais là c'est extrêmement glissant aussi. Hein. C'est clair qu'on a. On n'a pas choisi le jour. Hein. Ah, vous embêtez pas, on va passer par là, c'est plus simple. Youh. Combien de temps, je sais pas, mais pour l'instant ça passe. Il dit putain merci, ça remonte un peu. C'est con mais ça glisse moins en montée qu'en descente. On est reparti dans une petite ascension un peu plus tranquille. Passage dans un petit hameau bien sympathique, bien joli. Continue l'ascension tranquillou, là on a pris une petite route goudronnée mais le paysage est magnifique, c'est tranquille, ça permet de se refaire un petit peu la banane pour la prochaine descente aussi, c'est pas désagréable. Allez, je crois que ça redescend encore un petit peu, là, il va y avoir beaucoup de caillasses aussi, pour en faire gaffe. Gagné. Dommage, je peux pas mettre la caméra à l'arrière parce qu'il pleut, donc on n'a rien droit. Oh, ça mélange de caillasse racine. Les racines, elles glissent comme des savonnettes. Quand même un peu de grip. Tant qu'on croise pas de racines, ça devrait y aller. Hop, la racine. Ouh, que du bon. Woo!
Bon, on y est. Les nordistes, c'est cadeau. Sudiste, il est sous la pluie, et la vraie pluie là. On est tout trempé. On n'a pas l'habitude. Je commence déjà à voir les palmes qui poussent. Petite dédicace à vous qui roulez 6 mois dans l'année dans ce climat là. Vous avez vraiment du courage. Non, par là. Ça a poussé grave là. Bon Cédric, il y a un petit peu de travail à faire là. Ouais, non, on peut pas. Hein. Ça joue, hein. Attends, peut-être que après. Bon là, on est un peu. On est en train de faire un petit peu de jardinage là. Parce que la trace, par l'endroit où ça nous disait, c'était complètement. Pas possible de la prendre. Donc je sais pas. Là. On va rejoindre la trace sur un autre bout. Je sais pas si ça va nous faire couper la sortie ou pas. Ouais, bah là je tente pas avec la pluie là. Allez. Oh putain, on s'en prend une sur la gueule là. Les copains. C'est ça que c'est bon. Oh putain. Là. J'y vois plus rien, il n'y a pas d'essuie-glace sur les lunettes. Oh là 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 là. Ah, c'est tout à l'aveugle. Le GPS, il n'en peut plus non plus. Ah. C'est de la nocturne là, j'y vois plus rien. Attention, marche. Ah, je sais pas si vous allez voir quelque chose sur la vidéo, mais ça va rester un bon souvenir. Ça, ça va rester un bon souvenir. Oh, 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 oh. Oh là 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 là. Première sortie Vétopo terminée, une très bonne sortie, hein, ouais. Bien cassante en descente, ouais. Bien en montée, bien physique. Un temps d'exception avec un beau soleil, on n'a presque pas pris la pluie, bref un régal, merci à toi Cédric et vivement la prochaine. Allez, je vous souhaite un bon week-end et à plus en vidéo, ciao tout le monde.